Good morning, allez, Idan et Susra aujourd'hui, le Nishmat, François Rajib Ben Khana, Janine Louis, bonne fortune de Mazal Fridna, Kloucho, Bobet Shalom, Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous, c'est Jumas Sechet Barachot, Père et Kalef, Mishnabet. Mais Matai, Korin et Shema, Beshacharit, Mishayakir, Ben Techelet, Le Lavan, Rabbi Eliezer, Omer, Ben Techelet, Le Karti, Begomra, Adanel, Sachama, Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Yoshua, Omer, Adjolo Shaot, Shaken Rech, Ben Amelachim, Namot, Beshalo Shaot, Kuro Mikan Belach, Rui, Sid, Kadam, Akore, Batora. On a parlé dans la Mishnah Aleph du temps de la mitzvah de Kriyat Shema de la nuit. Maintenant dans la Mishnah Bet, on arrive sur le temps de la mitzvah de Kriyat Shema du jour. À partir de quand ça démarre et jusqu'à quand peut-on la lire? Deux points de temps à définir. On commence avec Mehmata et Korin et Shema Beshacharit. Depuis quand peut-on commencer à lire le Kriyat Shema du Shacharit du matin? Mishe Yakir Ben Techelet Lelavan. Depuis le moment où on peut distinguer du trélet, du bleu azur, avec du lavan, à côté de fil blanc. On va expliquer tout de suite, mais d'abord je finis la phrase. Et Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer m'a dit non, ça ne suffit pas, il faut un petit peu plus. Ben trélet le karti, entre le trélet, le bleu azur et du karti, et du karti, karti c'est comme un... c'est le poireau, regardez d'ailleurs... le Barthénora, si vous avez un livre avec Barthénora, c'est pas très net, car le Gavan chez le Karti, Kreishin chez Corinne, Pourouche, Poirot, d'accord? Il manque le petit Youd, ça aurait fait Poirot. Et voilà, c'est le Poirot. Donc, premièrement, on est sur le temps du début du Kriyat Shema. J'ai un problème que j'ai cherché et j'ai pas trouvé de réponse à ça. C'est que le jour, selon la Torah, ça commence depuis Amud HaShachar. Il faut savoir, le jour dans la Torah, il commence depuis Amud HaShachar. C'est que ça correspond à 72 minutes avant. La percée du soleil à l'horizon à l'est. Ouais, si vous regardez, vous levez tôt le matin et vous ne faites pas la tuile pour X ou Y raison, vous êtes encore en fin de la nuit, vous allez voir maintenant, à l'est, on commence à voir une petite, parce que c'est le Amud HaShachar, la petite poutre. Amud HaShachar, Amud c'est une poutre, la poutre du matin. C'est-à-dire qu'on va voir une petite lueur de jour qui va commencer à l'est et que doucement, doucement, elle va s'étendre, elle va faire comme une petite poutre et doucement, le tout va devenir de plus en plus clair. Jusqu'au moment où le soleil va percer. Et d'un coup, on va voir le soleil qui va commencer à monter, et il va commencer à monter à l'est. Donc, on a le Amud HaShachar, c'est 72 minutes avant. Il y en a qui disent 90 minutes, parce que c'est une question de... à partir de 9 ans, c'est doucement 9 ans, tout devient de plus en plus clair, en fait. Mais concrètement, je crois que j'ai déjà vu à l'est et j'ai rien vu. D'accord, ça prend un petit peu plus de temps, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut définir. Quel type de lueur, c'est, vous comprenez, c'est des choses qui marchent Beadraga en évoluant doucement, donc c'est difficile à dire à partir de ce moment-là, ça démarre, mais en tout cas, on tient pour la halakha que c'est 72 minutes depuis le lever du jour, avant le lever du soleil. Ça, c'est Amud HaShachar. Pourtant, il ne faut pas commencer à lire le Kriyat Shema. On ne peut pas commencer à lire le Kriyat Shema tout de suite. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où il commence à faire suffisamment jour, qu'il y a assez de lumière. C'est pas la peine d'avoir tellement de lumière, mais alors on a deux mesures qui sont précises dans le Mishnah, soit distinguer entre un fil blanc et un fil bleu azur. Il faut nécessairement des fils, pas des pelotes. Si tu prends deux pelotes, une pelote de bleu azur et une pelote de blanche, dès qu'il va y avoir un brin de lumière, tu vas commencer à distinguer que c'est pas la même chose, qu'une qui est plus foncée que l'autre. Mais si tu prends à l'intérieur, si vous avez les tzitziot, bichlal, avec le trélet, ou bien même, la propose encore, une pelote où il y a une pelote de bleu qui a été mal teinte, où il y a dedans des parties blanches, des parties bleues, il faut que tu la regardes et que tu dises « Ah, là c'est le blanc, là c'est le bleu », alors dès que ça commence ce moment-là, alors tu peux commencer à lire le schéma du matin. L'Aïmal propose ce même point de temps, il est aussi, c'est le même que lorsque tu rencontres un voisin à partir de 4 amotes dans la nuit noire, et tu peux distinguer le visage, pas ton proche voisin, parce que lui... pas ton proche ami, parce que lui, au quart de tour, tu remarques que c'est lui, mais quelqu'un que ça peut être le voisin du 7e étage, ou le voisin du binyan d'à côté, eh bien, dans ce cas-là, dès que tu peux le distinguer dans les 4 amotes, tu rentres dans l'intérieur, tu es capable de dire « Ah, c'est lui ou c'est lui », là, c'est le Zman, où on peut commencer à lire le Kriyat Shema. Concrètement, dans les Luchot, ça correspond au Zman Tani Tutfi. Vous allez voir, quand on avait les Shavuot récemment, on avait le... alors il y a eu Amud HaShachar, il a fallu s'arrêter d'étudier pour faire le Birkot HaShachar. On a commencé probablement même la Tfila pour commencer tranquillement, mais on ne pouvait pas encore mettre le Talit. Jusqu'à quel moment?
Vous regardez dans le Luchot, il y a Zman Tout, Talit Utfilin. Tête, Vav, avec le filtré et Taf, c'est Talit Utfilin. Zman Talit Utfilin, le Zman Tout, c'est le. Ça correspond au Mishakir Matrelat Lalam. Ça, c'est la vie de Tanakama. La Lachel est comme lui. Rabbi Lezer nous dit non, ça ne suffit pas, il faut encore plus de distinction. Matrelat Lekarati. Pas du bleu avec du blanc, mais du bleu avec du vert. Là, vas-y. Lève-toi de bonheur, comment dire. Non, lève-toi plus tard, au contraire. Qu'il faut attendre un petit peu plus pour avoir encore plus clair que tu peux dire non, ça c'est du bleu, ça c'est du quartier. Ok. Ça, c'était pour le début du Kriyat Shema. Ve'gomra adanetz achama. Et tu peux la, et tu dois la finir avant que se lève le soleil. Anetz achama. Anetz achama, c'est le venetz achama. En fait, c'est quand le soleil va se lever d'un coup comme un bourgeon qui s'en regarde à l'est, c'est vraiment beau à voir. Une fois ça m'est arrivé, je me souviens récemment, je me suis levé tôt, pas assez tôt pour pouvoir partir par la tuile honnête. Donc du coup, j'étudiais, puis d'un coup je suis arrivé à la cuisine, d'un coup je voulais voir le soleil, je savais que ça allait être l'heure du net, je me suis mis à regarder à l'horizon, et d'un coup, le soleil il pointe son nez et il monte, ça lui prend je crois l'équivalent de 3-4 minutes, depuis le moment où il a commencé à percer jusqu'au moment où la boule est entièrement sortie. D'accord? Ça, donc ça, c'est le Anet Sachama, c'est le moment où ça perce. Il faut finir de lire le schéma selon le premier avis, depuis le Anet Sachama. Et dès que tu finis, après, c'est le moment de rentrer dans la tuila. Et la Gemara rapporte quelque chose de très important. Non, d'abord, je finis d'abord la Gemara, je vais t'expliquer, après je rapporte ça. Donc tu dois le finir avant le Anet Sachama, finir de lire le schéma jusqu'au Anet. Et Rabbi Yehoshua Omer, non, non, c'était pas ça. Tu as un peu plus de temps. Ad Shalosh Shaot, jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures depuis le matin. Pourquoi? Sheken derech ben emalachim lamod be Shalosh Shaot, car tel est l'usage ou l'habitude des filles, des enfants rois, des princes, de se lever jusqu'à 3 heures. C'est-à-dire, d'abord on explique doucement, doucement. La Torah m'a dit, ou shoch becha ou kumecha, depuis le moment où tu te lèves. Comme on avait expliqué dans la première Mishnah, depuis le moment où tu te lèves, c'est pas chaque fois tant que tu es debout, mais c'est quand tu fais l'action de te lever. La majorité des gens, ils se lèvent jusqu'au Netzachama à l'époque, quand on n'avait pas la lumière la nuit. Ben vous imaginez bien que la nuit allait tomber, on restait un petit peu, on mangeait, et puis dès que ça devenait la nuit noire, les gens n'avaient plus rien à faire, allaient dormir. Et même les Talmidei Chachamim aussi, ils allaient dormir le soir. Les Talmidei Chachamim, ils se levaient ensuite à Chatzot Laïla et commençaient à étudier jusqu'au petit matin avec le nerf. Mais le monde, il était organisé de manière à ce qu'on se lève. Depuis Chassot, jusqu'au Netz, et au Netz déjà tout le monde sait, le jour commence à se lever, la vie redémarre et tout le monde se lève de nouveau. Tel était l'usage à l'époque. D'accord? Donc c'est le moment où on se lève, premier avis, te dit, le moment où tu te lèves, le rove des gens, la majorité des gens se lèvent depuis Netz Achama. Bien, mais je me dis, non, mais tant qu'il y a encore des gens qui se lèvent jusqu'à 3 heures, en général, les Bnei Melachim, ils ont moins de travail, la vie elle est plus facile pour eux. Donc eux, ils restent dormir encore un petit peu jusqu'au petit matin, mais jusqu'à la troisième heure. C'est quoi la troisième heure? Vous prenez le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Ça s'appelle 12 heures. Midi, de ça, c'est après 6 heures, c'est le moment où vous avez le soleil au-dessus de votre tête, précisément. Et maintenant, un douzième de ce temps-là, en hiver, ça fait des heures beaucoup plus courtes. En été, ça fait des heures beaucoup plus longues. Si on fait une petite approximation, approximativement, ça veut dire qu'on est, en ce moment, le soleil à Jérusalem, vers 5h20, il y a le Netzachama, le soleil se couche à 7h50, plus ou moins, donc on a maintenant, ça nous fait 5, jusqu'à 5, 6, 7, on a à peu près 14h30 de soleil, donc vous prenez les 14h30, vous le partagez ça en 12, une heure, c'est une irida, ça s'appelle une heure, d'accord? Vous comptez maintenant 3 heures comme ça, depuis le moment où se finissent les 3 heures, c'est la fin du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que les princes, ils se lèvent jusqu'à ce moment-là, et la Torah dit, depuis le moment où les gens se lèvent, ça implique, c'est vrai, il y a des gens, les ouvriers qui se lèvent très tôt, il y a des gens qui traînent un petit peu plus pour se lever. Ok? C'est des zmanim fixes. Petite parenthèse, vous avez sûrement vu dans le Louar qu'il y a Zman Kriyat Shema du Magen Avraham et Zman Kriyat Shema du Gaon, ou du Gaon, du Balatania, aussi c'est la même chose. Et ça, c'est juste à partir, on a dit, du début du jour jusqu'à la tombée de la nuit. C'est quoi le début du jour? Alot HaShachar ou Netzartama? On a 72 minutes d'écart. Le coucher. On a par contre, quoi qu'il arrive, à 18 minutes. Est-ce que c'est depuis le coucher du soleil ou depuis les trois étoiles? Là-bas, ça prend une histoire de 18 minutes, de 13 minutes, et ça va vous faire des différences, deux différences fondamentales. Est-ce que la sha'azmanite, l'heure, qu'on a dit le 12e, elle va être plus courte ou plus longue? Et en plus de ça, à partir de quand on commence à calculer, selon le organogramme, c'est vrai que c'est plus long,
Ça commence depuis le Hamoud d'Hachapar, 72 000 devant l'Etz, mais tu comptes à partir de là-bas, 3 heures. Donc vous avez toujours des différences pour vous donner une idée. À Yerushalayim en ce moment, le schéma, il est du Magan Avraham, ici universel, 8h15, 8h20, il faut avoir fini de lire le schéma. Tandis que sur le Gaon, on a jusqu'à l'équivalent de 9h, 9h05, je ne sais pas précisément, on a beaucoup plus de temps. C'est lié à ça. Quand vous avez 12 manimes, en général, c'est bien pour les Sfaradim d'être marmir comme le Magan Avraham. C'est prouvé que c'est comme ça qu'il faut faire. Et on revient sur le vif de notre sujet. Donc on a maintenant, il faut le finir jusqu'au Netzachama, selon Tanakama, et donc d'après Rabbi Yoshua, tu as jusqu'à 3 heures solaires pour finir de le lire. Ok? J'avais dit une petite importance aussi, quoi qu'il arrive, même d'après Rabbi Yoshua, c'est important de s'efforcer, si possible, de le lire avant le Netzachama. Il y a un grand Inyan Khashuv, de commencer la tfila, Iraoucha Imashemesh. Depuis le moment où le soleil pointe son nez, on commence la tfila. Ceux qui prient au Netz, ils font très attention, parce que le soleil, dès que ça arrive l'heure du Netz, il rentre tout de suite dans la Mida. Et rentrer dans la Mida, c'est un peu possible, il se mord Geoula les tfila. La Geoula, ça veut dire c'est finir la bracha du Kriyat Shema Gaal Israël, et après on rentre directement dans la tfila. Donc on calcule, pour finir le Netz, l'équivalent de 1 minute et demie, 2 minutes avant l'heure du Netz, on finit le Shema. Comme ça, dès qu'on a fini le Gaal Israël, on commence à Shem Sevatei Tifar, c'est déjà le début du jour. D'accord? C'est déjà le lever du soleil. Ensuite, celui qui lit plus tard, il s'est levé plus tard, le pauvre, il n'était pas en forme, il a raté la mitzvah du Kriyat Shema, malgré tout. La Mishnah vient me dire, sache que malgré tout, tu n'as pas perdu complètement, tu dois quand même lire. Pourquoi ? Parce que tu as au moins le, comme un homme qui lit la Torah. Lire le Kriyat Shema, ça s'appelle du limud de Torah aussi. Donc, tu as raté l'heure, la mitzvah de Kabbalat Olam Al Kuchamayim, de le faire à l'heure. C'est vrai, tu as raté cette mitzvah, tu ne la rattraperas pas. Malheureusement, tu as manqué une mitzvah. Aval, malgré tout, lis quand même le schéma, parce que tu as quand même un sra, un mérite d'étudier la Torah par ça. Vous savez que c'est une parachat de la Torah qui apprend le Yikud Hashem, c'est quand même bien. D'autant plus que, même précise aussi, ça c'est plus d'Inor Barthé Mora, mais c'est précisé, je ne sais plus où, qu'en plus de ça, tu pourras la lire jusqu'à la quatrième heure, et Bédiévet même jusqu'à Fasot. Avec les birkot à Torah. Avec les birkot, ça veut dire qu'avec les brachot, lire toute la tefila. Donc lis-la quand même, parce que dans cette tefila, tu vas quand même pouvoir prononcer les brachot qui précèdent et qui succèdent le Kriyat Shema, et tu peux encore les lire. Je vous ai dit 4h, 6h, c'est une grande discussion, c'est très complexe. On va penser ne pas dépasser la fin de la quatrième heure pour faire la tefila le matin. Une heure de plus que le fin du Kriyat Shema, c'est Zman Sof Tefila. A priori, finir la Amida à ce moment-là. Et même si bon, finir la Chazanat HaShatz à ce moment-là. Ça c'est complexe. Bedi Eved, il y en a qui permettent jusqu'à Chassot. Évitez de vous appuyer sur ça, occasionnellement ça peut arriver, mais bon. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.